j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats. Mais avant de commencer, je voudrais tout d'abord dire bienvenue, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait super plaisir. N'oubliez pas que sur ma chaîne, c'est du partage. Vous commentez mes vidéos, je commente vos vidéos. Merci pour tous ceux qui commentent, qui likent. Ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir. Donc, on va commencer tout d'abord avec la chaîne de Sari Bendy. Si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. En fait, elle a présenté deux produits et du coup, ça m'a donné envie d'aller acheter et de goûter et d'essayer. Pourquoi je dis goûter? Parce que tout simplement que je suis allée à Carrefour juste pour une bricole et que quand je suis allée dans les gâteaux, et ben, je me suis rappelée des gâteaux qu'elle avait présentés dans son retour de course de Carrefour et du coup, j'avais envie d'essayer de goûter. Donc déjà, le premier paquet de gâteaux, c'est meringue noisette sur le lit de chocolat au lait. Et il a coûté 1,84€. Voilà, il se présente comme ça. Voilà. Et le deuxième, c'est meringue coco, 1,64€. Voilà, donc ça m'a donné envie, je me suis dit bon bah je vais goûter puis je verrai bien si j'aime. Ensuite, ce qui m'a donné envie aussi, c'est qu'elle a parlé d'un parfum, le parfum de Noël de Adopt, donc il s'appelle Love Mood, il se présente comme ça, donc je suis allée le sentir et franchement il sent tellement mais tellement trop bon, il faut que vous allez le sentir. Parce que, en plus c'est que pour Noël, après il n'y sera peut-être plus. Donc, allez le sentir et vous verrez qu'il sent vraiment bon. Et en fait, il y avait une promo avec le parfum et le gel douche qui va avec. J'en ai eu pour 9,95€ le lot. Voilà. Ensuite, je suis allée à Stokomani. Donc Stokomani, j'ai pris un gel douche bain lait vanille à 3,79€. Donc le voici, c'est un cottage. Voilà. Ensuite le deuxième gel douche, c'est gel douche cream and wall cacao butt 2,99€. Donc en plus c'est un grand format, donc franchement, il est pas cher pour un grand format. Et le troisième gel douche que j'ai pris, c'est douche crème douceur d'enfance orange, 1,49€. Le voici. Donc en fait, je voulais vous dire, je sais pas si vous connaissez les espèces d'allumettes qu'on voit souvent à Noël. Dedans c'est de l'orange et dessus c'est du chocolat noir, et bah ça a exactement mais le même odeur que le gel, que ça, le gel douche. Donc franchement ça sent tellement bon. Voilà. Ensuite je suis allée à Maison du Monde. Alors Maison du Monde, j'ai repris ma boule, la boule transparente que je vous avais fait voir dans l'ancien hall. Et elle était à 2,99€. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux mêmes boules. Ceux-là, ils sont à 2,99€ l'unité. Donc, j'ai bien aimé celle-là parce qu'il y a une espèce de Bambi dedans avec le sapin et des petites boules blanches comme s'il y avait de la neige. Donc, ça fait l'esprit Noël et j'aime bien. Voilà. Et j'en ai pris une deuxième pareille. Voilà. Ensuite, alors pour Maison du Monde, c'est fini. Je suis allée à Centracor où, en fait, j'ai pris qu'un seul truc. En fait, j'ai rien trouvé qui m'intéressait. Pourtant, j'ai vu des vidéos dans, par exemple, la chaîne de Sari Bendy. Elle faisait voir des vidéos de déco de Noël. Ça me donnait envie, mais dans le magasin, j'ai rien trouvé. Donc, j'ai pris une guirlande. Elle était à 1,99€. Voilà. Et en fait,
Je regrette parce que j'aurais dû en prendre une deuxième. Mais le problème, c'est que je ne savais pas que j'allais aimer. Et en fait, elle est tellement belle. Et arrivée chez moi, je me suis dit, j'aurais dû prendre une deuxième. Donc, je vais peut-être y retourner pour en prendre une deuxième. Voilà. Donc, c'est fini pour ça. Ensuite, je suis allée à Action. Donc, Action, ils m'ont échangé le cadre. Parce que je vous avais dit que là, il manquait la vitre pour protéger la photo. Donc, du coup, ils m'ont échangé le cadre. Donc, voilà, je suis contente. Et puis, je me suis prise alors un appareil à raclette, 12,95 €. Donc, c'est un mini. C'est pour 4 personnes. Mais pour moi et mon fils, c'est suffisant. Je voulais pas mettre cher parce qu'en fait, j'en avais une appareil à raclette. C'était un Tefal et elle m'a rendu l'âme. Et bon, après, ça fait plusieurs années que je l'ai. Donc, du coup, je voulais pas remettre beaucoup d'argent. Je suis allée à Carrefour et j'ai pas trouvé de Tefal en promo. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vu qu'à Action, j'ai vu qu'il y en avait une petite, je me suis dit, bon, je vais prendre ça pour dépanner. Et puis voilà, pour nous deux, c'est suffisant. Donc, je ne sais pas si vous l'avez acheté, si elle est bien ou pas. Moi, je testerai et puis je vous donnerai des nouvelles. Voilà. Et puis, les deux trucs que j'ai pris à Action, en fait, c'est des boules de bain et ils sont à 1,48 € l'unité. Donc, voilà, c'est deux pareils. Il y avait d'autres couleurs, mais j'ai préféré ceux-là. Voilà. C'est fini pour Action. Et je voulais aussi vous dire parce que je crois que son nom c'est Bidule Bidule. Elle voulait savoir où j'ai eu ce coloriage. Donc en fait, moi j'ai acheté un livre sur Amazon qui coûtait 9,95 € et ça s'appelle Le Portrait avec en dessin Bambi. Donc le coloriage des Aristochats, il est dans ce coloriage-là. Voilà, en fait c'est un carnet où les pages se déchirent facilement et moi les pages je les ai mis dans un classeur comme ça peut ne pas être abîmé et comme ça me permet aussi de colorier au feutre et que ça peut ne pas traverser le coloriage. Donc voilà, sur Amazon 9,95 €. Et je voulais aussi vous parler de deux coloriages que j'ai commencé. Alors j'ai commencé celui-là, j'ai pas fini. Alors celui-là, je l'ai commencé devant une série. Voilà. Et puis j'ai commencé celui-là. Ou celui-là. Et ben en fait, je galère parce que j'ai perdu le feutre. Et du coup, ben, j'essaye de trouver une solution pour le finir. Donc voilà. En fait, c'est belle avec, sur son cheval. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Là, j'ai commencé en feutre, mais j'ai perdu le feutre. Donc du coup, il faut que je recherche le même feutre pour finir. Parce qu'autrement, si je prends un autre feutre, ça va être tout moche. Donc voilà. Mais j'adore celui-là. En plus, je ne sais pas si vous allez voir, mais il brille. Ça brille. Voilà. Bon, bah, la vidéo est déjà finie, je sais, elle est courte, mais j'ai pas trouvé grand-chose au magasin. Je suis allée à Primark, je suis ressortie avec rien, j'ai rien trouvé. Je suis allée à Yves Rocher parce que j'ai reçu la carte dans ma boîte aux lettres pour un cadeau. J'y suis allée, il y avait du monde, donc du coup, je me suis dit, je repasserai dans la semaine prochaine. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, ça me ferait plaisir. Et puis la prochaine vidéo, ça sera la suite du coloriage des Aristochats. Voilà. Je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt. Bon week-end, au revoir.